as vu l'heure qu'il est? Oui, 10h. Et alors? Ben alors, il est 10h et il n'est toujours pas rentré. Qui ça? Qui ça? Romuald, notre gosse, ton gosse. Oh, tu vas pas recommencer avec ça. À son âge, c'est normal qu'il prenne un peu de liberté. Tu appelles ça un peu de liberté? Seul dans la rue à 10h du soir? Un gosse de 8 ans? Mais faut bien qu'il s'amuse un petit peu, ce garçon. Qu'il en profite tant qu'il n'est pas marié. C'est pour moi que tu dis ça? Non, c'est pour le chat. Fais le bel esprit. En attendant, avec la belle éducation que tu lui donnes, on pourra s'avérer heureux s'il finit pas en prison, ton gosse. Oh, il aura des excuses. Avec l'hérédité chargée qu'il tient du côté de sa mère, 3 générations de petits commerçants, autrement dit de voleurs et d'escrocs. Ça vaut mieux que 3 générations de fonctionnaires, autant dire de parasites. Parasite? Moi je suis un parasite. Parfaitement. Je me demande pourquoi tu passes tes soirées à lire le journal quand tu as toute la journée pour le faire au bureau. Et moi je me demande quel besoin tu as de t'abrutir devant des émissions de variété débiles quand tu as déjà le cuit d'un bigorneau. C'est peut-être que je préfère regarder n'importe quel crétin s'agitant sur un écran de télévision que ta tête débile nécrophate. Mais je vais la saigner cette truie adipeuse, je vais la saigner. Truie adipeuse, t'as dit truie adipeuse. Parfaitement, truie adipeuse, tu n'as pas honte de bouffer comme tu bouffes quand des millions de gens meurent de faim dans le tiers-monde. Avec la bouée que tu as autour du ventre, on pourrait nourrir un village de Somaliens pendant 8 jours. Dans la rue, je n'ose même plus te tenir la main de peur qu'on pense que je sois ton cornac. Ça te va bien de critiquer mon physique? Tu t'es regardé ces derniers temps dans la glace? C'est plus des rides que t'as, c'est des crapulures. Je n'ose même plus sortir dehors avec toi de peur que l'inspection des fraudes me colle une amende pour mise à l'étalage de produits périmés. Quand on voit, on a envie d'écrire un prochain écriteau avec écrit ruine à ne pas visiter. Répète un peu ça, salade. Allez, viens. Je vous prie, Gilles. Tu vas te faire mal? Non, ça va. Oh. Ce serait bien si on avait un enfant, quand même. Ah oui, ce serait bien.